On va faire une petite vidéo pour montrer le potager. Ici, c'est le coin fraise et rhubarbe. C'est concept, parce que ça fait des bonnes tartes. Ici, on a un petit céleri à mon chum. Et des piments. Des poivrons et des piments. On a tomates cerises. Basilic. On a tomates big beef, que j'aime beaucoup. On a ensuite l'ail qui va bien, des échalotes, les oignons français. Ensuite, on a des asperges que j'ai pas touchées parce que j'ai peur que ce soit trop tôt. Ensuite, l'ail des bois qu'on a acheté en Ontario et les kiwis qui vont grimper dans la tonnelle. Tonnelle fabriquée à partir d'une échelle à mon père. Kiwi de l'autre côté aussi. Des poireaux de l'année passée que j'ai même pas enlevés. Je sais pas ce que ça va faire, mais je vais sûrement les enlever bientôt. Une vue d'ensemble de tout ça. Jusque là-bas. Donc, ça fait tout le côté de la maison. Puis, si on continue jusqu'en avant de la maison, on a les carrés. Donc, c'est quand même un grand potager. Donc, on a les supports ici qui servent à accrocher les haricots et les concombres. Il y a des cordes qui vont aller dedans là, quand ça va être le temps. Donc, j'ai changé les choses de place cette année parce que j'avais eu des petits indésirables qui avaient mangé mes concombres et mes zucchinis l'an dernier. Donc, ça ici, c'est brocoli devant, chou-fleur derrière, ou le contraire. Le contraire, c'est pas très important. Ensuite, ici, on a des haricots nains en avant. Et derrière, il y a des haricots grimpants qui ont été semés. Après ça, c'est là que j'ai mis mes concombres maintenant cette année. Donc, il y en a en avant et en arrière de ce qui va avoir des cordes là, pour les accrocher. Puis devant, il y a des carottes qui ont été semées aussi. Ici, on a des zucchinis. L'espèce de clôture, c'est pour embarquer les plants par-dessus là, parce que ça vient gros. Donc, ça grimpe pas, mais on peut quand même les mettre à cheval dessus. Donc, zucchini jaune en arrière, zucchini vert en avant. Et des petites fleurs, hein? Il y en a un peu partout d'ailleurs, des fleurs. Ça, c'est des fleurs, des géraniums. C'est pour attirer les pollinisateurs aussi. Devant les zucchinis, c'est des radis. Ensuite, au fond, on a l'échelle, l'escabeau de mon père que j'ai gardé en souvenir et puis dans lequel s'accrochent les courges. On plante toujours des courges spaghettis, on aime bien ça. Donc, des courges spaghettis qui viennent monter dans l'escabeau. De chaque côté, en fait, tout le tour, là, que ça fait un U, c'est des framboisiers. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de framboises à chaque année. Ici, sur le petit support qu'on a fabriqué, on a des épices. Donc, des fines herbes. On a aneth, on a persil. On a de la menthe, on a de la ciboulette, puis le dernier, c'est du basilic. Basilic, j'en ai vraiment beaucoup ailleurs, mais là, j'avais envie d'en mettre aussi dans un petit pot comme ça. Pour la première fois cette année, j'ai mis des betteraves. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, on va voir ça. Voilà, donc, la plupart de ce que j'ai planté cette année, ça a tout été semé par moi il y a... quelques plants de tomates que j'ai achetées, et c'est à peu près tout. Donc, encore une fois, des fleurs pollinisateurs en arrière, pour attirer les pollinisateurs. Et ici, on a un petit plant de capucine, j'en ai d'autres ailleurs aussi, c'est pour pouvoir manger les fleurs. Ici, on a des épinards, il va en avoir d'autres plus tard, là, c'est vide derrière, parce que je vais semer éventuellement, quand ceux-là vont être assez poussés. Pas assez poussé pour les manger, mais assez poussé pour en semer d'autres. Donc, c'est la même chose pour les radis, d'ailleurs. J'en ai mis juste un rang, parce que je vais en mettre d'autres plus tard. Ici, on a de la laitue, deux sortes, laitue frisée, laitue iceberg. Donc, on va voir ce que ça va donner. Puis, si les petits cassous sont restés là, c'est parce que je me dis, peut-être qu'il y a des graines qui n'avaient pas germé, qui vont germer, parce que ça fait pas très longtemps que je les avais semées. Donc, c'est ça, avec nos belles dalles en béton. Un petit chien! Allô! Les dalles en béton qu'on a mis pour que ce soit plus pratique. Donc, j'aime vraiment, vraiment mon potager.
Ça m'a fait plaisir de vous faire faire le tour. Et on me dit bye bye, bye petit chien, allô. On va fermer la porte. Comme ça va faire que il n'y aura pas de petits animaux qui vont venir